Il a des sympathisants. Ça, vous ne me l'apprenez pas, monsieur Hoover. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est ce que Martin Luther King a l'intention de faire. Monsieur le Président, le Sud a été le théâtre de milliers de meurtres perpétrés par des racistes. Nous avons besoin de votre aide. Monsieur King, ce dossier va devoir attendre. Ça ne peut pas attendre. Vous avez un problème à résoudre. J'en ai chaque jour une centaine. Ce sera Selma. C'est le terrain de notre prochaine bataille. C'est idéal ici. Les gens sont prêts. Monsieur King ? En tout cas, il a une bonne droite, ce blanc. Nous ne tolérerons pas qu'une bande d'agitateurs provoque des troubles à l'ordre public dans notre état. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont tuer nos enfants ? Ils essaient de te déstabiliser. Que se passe-t-il quand un homme se dresse pour dire « ça suffit » ? Nous déblayons le passage, nous pavons la voie, pierre par pierre. Nous devons manifester ! Nous devons résister ! Faire défiler ces pauvres gens au fin fond de l'Alabama, c'est du suicide. Il y a 70 millions de téléspectateurs. Ces images font le tour du monde. Nous devons être les plus nombreux possibles. Blanc, noir, qui que vous soyez, venez à Selma. J'ai appris l'agression de gens qui ne faisaient rien de mal. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. On dirait une armée, tous ces gens. Mes yeux ont vu la gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Que se passe-t-il quand un homme se dresse pour dire « ça suffit »